Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 19 juin, l'Église célèbre la mémoire de Saint Romuald, abbé. Saint Romuald est né à Ravenne vers l'an 956. En dépit d'un désir inné de vertu et de sainteté, sa première vie fut gaspillée au service du monde et de ses plaisirs. Un jour, obligé par son père Sergius d'assister à un duel auquel il participait, il le vit tuer son adversaire. Ce crime lui fit une telle impression qu'il décida de l'expier pendant 40 jours, comme s'il était entièrement le sien. À cette fin, il se retira dans le monastère bénédictin de Saint-Apollinaire près de Ravenne, dont il devint l'abbé. Après avoir fondé plusieurs monastères, il jeta les bases de l'ordre austère de Camaldoli en Toscane. Comme tous les saints, il a lutté toute sa vie contre les assauts des démons et des hommes. Au début de sa vie spirituelle, il fut fortement assailli par de nombreuses tentations qu'il vainquit par la vigilance et la prière. Plus d'une fois, on a attenté à sa vie, mais la providence divine lui a permis d'échapper au danger. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu, il fut victime de calomnies qu'il supporta avec patience et en silence. Dans sa vieillesse, il augmenta ses austérités au lieu de les diminuer. Romuald mourut au monastère de Castro qu'il avait fondé dans le Marquistat d'Acone le 19 juin de l'an 1027. Il fut canonisé en 1582 par le pape Grégoire XIII. Prions. Seigneur, au milieu des choses de ce monde, laisse-nous nous engager de tout cœur dans les choses célestes en imitant les âmes de perfection évangélique que tu nous as données en Saint Romuald l'abbé. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Romuald, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.